Bonjour à tous, bonjour YouTube et bienvenue pour cette VOD. On est en live Twitch, le lien est dans la description et aujourd'hui on est sur Dolvalorb avec un TGV PSE. Donc on va parcourir toute la ligne de Armand là qui est sortie récemment sur Train Simulator 2020. Je suis avec Tom Rod, salut Tom. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et Et venez sur Twitch. Et oui, venez nous voir sur Twitch le vendredi. On va donc partir avec ce TGV PSE, alors qui n'est pas tout à fait un TGV PSE, c'est tout simplement le TGV réseau de DTG reskiné en TGV PSE. Je donnerai bien sûr dans la description le lien pour récupérer ce reskin disponible, je crois, sur Ricim.fr, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai également pris des sons. Alors, c'est des sons en mode un peu bêta, mais bon, ça apporte un petit quelque chose. Je ne sais plus qui, mais y a des sons qui ont été postés il n'y a pas très longtemps sur RW Central pour le TGV PSE, bon, pour les duplex aussi, mais y a des sons également pour pardon, pour le TGV réseau. Du coup, donc je les ai mis. Bon, ils sont pas parfaits, mais c'est un peu plus sympathique au niveau de l'ambiance. Voilà, donc pareil, je mettrai les liens pour les sons. Comme je le disais, alors je n'avais pas encore lancé l'enregistrement, mais comme je le disais sur cette map, je pense qu'on sera amené à y revenir. Notamment en BB22200 et pourquoi pas avec du Trans-Europe Express. Il y a un petit potentiel sur cette map, donc voilà, je vous la reverrai, je pense, dans les prochaines semaines sur la chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Bah, on va découvrir un petit peu tiens, la gare de Dole pour commencer rapidement. On va s'éloigner un petit peu. Voilà, on a les bâtiments. Là-bas, les deux quais. C'est assez sympa sur cette ligne. Il y a beaucoup d'add-ons personnalisés. Et c'est vraiment sympa. Moi, je suis vraiment content du résultat. De toute façon, il y avait eu une petite démo, entre guillemets, puisqu'on avait eu il y a quelque temps la section de Dole à Mouchard. Et donc là, nous avons la ligne presque dans son intégralité, puisque normalement, il est prévu d'avoir une extension vers Dijon, qui sera encore plus cool. Donc voilà, ça sera pour plus tard. Et on va se lancer avec ce TGV PSE. Alors évidemment, c'est un reskin du TGV réseau, mais je trouve que la texture rend super bien. Globalement, c'est bon. Comment dire? Alors bien sûr, il y a des petits détails, comme on est sur une base de TGV réseau, notamment ça sur les voitures d'extrémité parce que bah oui forcément c'est un TGV réseau alors qu'on ne devrait pas avoir ces vitres là, on devrait avoir des grilles de ventilation puisque sur les TGV PSE les bogies d'extrémité donc sur la R1 et sur la R8 étaient motorisées si je dis pas de bêtises et puis après bah pareil les indicateurs pour la destination sont pas comme ça mais bon on rappelle que c'est un reskin mais je trouve que mis à part ces petits détails ça fait le boulot, l'illusion est plutôt bonne. Bon alors après effectivement c'est le TGV de DTG donc il n'est pas foufou au niveau des fonctionnalités. Même au niveau de la conduite, même celui-là, enfin, au niveau du manipulateur de traction, celui-là est un peu moins bien que le duplex parce que on a l'impression d'avoir un train à cran par moment. Enfin, en fait, le déplacement du manipulateur est pas super linéaire. Bon, il y avait un peu le même problème sur le duplex, mais c'était quand même plus fluide. Bon, voilà, ça reste une modélisation de DTG, donc forcément. Elle n'est pas parfaite. Alors heureusement, la 3D et texture sont correctes. Bon, la conduite, c'est du DTG. Les sons, c'est recyclé. Alors bon, là, moi, j'ai ajouté des sons, mais sinon, évidemment, c'est recyclé du TGV duplex. Et une chose que je n'avais pas remarqué au moment où j'ai fait le test du TGV réseau fin 2018, quand il est sorti, c'est que DTG a osé le vendre sous le label ProRange. Label sous lequel est vendu le matériel de Virtual Railroad, par exemple, ou d'Armstrong Powerhouse. Voilà, là, il fallait quand même
fallait quand même oser, parce que c'est tout sauf du pro-range. Enfin bon, je me suis dit que malgré tout, certes il a des défauts, mais sur cette map, il pouvait être légitime, hein, puisque il y en a sur cette map des TGV. Et ah oui, je n'ai pas donné le contexte, on va donc assurer un TGV Paris-Lausanne. Oui, c'est, peut-être que j'aurais dû commencer par là en fait, non Tom? Je pense oui, j'aurais peut-être dû démarrer par ça. Nous allons donc assurer un TGV Paris-Lausanne, donc entre dans les Valorbes, évidemment, à Valorbes, on sera relevé par un collègue suisse. On va passer en cabine et j'allais dire on va mettre en service, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais juste relever les pantos sur la bonne position, parce qu'ils étaient en position LGV, donc pas question, évidemment. LGV Adol, ah ouais, d'accord. Alors, bah oui, tu sais, de base... sur LGV, donc on va se mettre sur monophasé. Alors il y a le même problème des pantographes que sur le duplex, mais l'avantage c'est que en 25 000 volts c'est le bon panto qui est levé. C'est déjà ça. Au moins on n'aura pas ce problème là pour ce soir. Le signal de sortie de Dol est fermé, il présente le carré. Attendez, je vais sortir de la rame, on verra mieux. Puisqu'on va avoir une circulation à la voie à droite. Je sais pas si on a perçu la 22-200. J'ai bien avec la vidéo rail. J'espère qu'on va. Ouais, j'espère qu'on se fera pas claim effectivement. Oh là là. Ben oui, je me suis inspiré de ça. J'ai bien mis le son. Ah, je vais vérifier le son. Ouais c'est normalement, bon. Okay. Ah, normalement, on va entendre Simone. Je vais nous réclamer, je pense, pour ces poches. Petit corail. Alors, le signal s'est ouvert. On a deux feux à l'indicateur de direction. Allez, bon, bah Simone nous a donné le départ. On va y aller, l'inverseur en avant. Je vais mettre la vie à 60 pour la sortie, histoire d'être tranquille. Ouais, c'est bon. Et on a bien donc les deux feux à l'indicateur de direction qui nous confirment la direction de Valorbes. C'est donc la deuxième direction géographique à partir de la gauche. Avec un seul feu, on aurait continué sur Besançon. C'est ça. Besançon et Belfort. Besançon, Belfort, ouais, exactement. Donc oui, je me suis pas mal inspiré de la vidéo qu'avait faite la vie du rail il y a déjà un bon quart de siècle, je pense. Plus peut-être même, où ils avaient accompagné le TGV 21 Paris-Lausanne. Je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un peu dans le délire, faire un peu le même style de vidéo. Puis comme je le disais en intro, alors je crois que YouTube ne l'a pas entendu, mais ça sera ma manière à moi de dire au revoir à Patrick, la rame 01 TGV Sud-Est, qui a pris sa retraite, qui a été réformée. Ça devait être au mois de mai, je crois, ou avril, je ne sais plus exactement. Assez récemment. D'ailleurs, les motrices sont conservées. Je crois qu'il y en a une dans les usines Alstom, il me semble. Et puis, ils ont conservé une voiture qui avait été intégrée à la rame record du monde, à la rame 16. Mais je ne sais plus où elles sont. Enfin, je n'ai pas eu le temps de me redocumenter là-dessus, désolé. On a dégagé un pancarte R, je pense, oui. Normalement, dans un premier temps, c'est 150, mais le 160, il vient assez rapidement après. Donc voilà, les sons qui ont été ajoutés, ça donne une petite ambiance en plus. Les sons, on demande, c'est de GG76. Je sais plus de qui ils sont. C'est RRW Central, c'est son pour TGV réseau bêta. Ouais, c'est peut-être lui. Je sais plus. Et ça parle aussi de Patrick sur le
sur le chat. Il fait des dons d'organes à la RAM 16. Et ouais, il va pas être préservé, le pauvre. Normalement, les motrices devraient être... Si j'ai bien compris, non ? Ah mince, t'es toujours là ? Ah mince. Bon, on a perdu Tom. Tant pis. Bah, c'est un peu embêtant. Non, tu m'entends, Tom ? Allô ? Alors là, ça va être très compliqué. Bon, j'espère qu'on m'entend toujours. Tu m'entends, Tom ? Tom ? Ah non, il a un problème de connexion, je pense, effectivement. Allô, allô ? Allô ? Allô ? Oui. Je suis là. Ouais, c'était bon, t'es revenu. Alors, je sais pas si c'est moi qui coupe ou si c'est toi des fois qui coupe avec ta connexion, mais au moment ça coupe. Non, là j'ai l'impression que c'était toi. Je sais pas. Bon, mais c'est vraiment ça a l'air d'être moi, vu qu'on dirait qu'on a pas entendu quand j'ai parlé. Bon, là on t'entend bien. Ah oui, on t'entendait. J'ai eu le chat, mais. On t'entendait bon, plus du tout, effectivement. Ouais, là. Bon, bah, pourtant, à ma connexion, il n'y a pas eu de problème, je sais pas. Ouais, bah c'est peut-être Discord. Hein. Des fois, je t'en coupais aussi. Enfin, je sais pas si c'est. Ouais, je sais pas. Ouais, la rame 01, il y a les motrices normalement. Bref. Les motrices ne seront pas préservées, strictement rien d'après Jacques Ruiz, un des conducteurs de l'essai des PSE en pleine DASA, c'est l'un des conducteurs du record de 80. RIP. Attention, on parle de la 01, hein, pas de la 16. Hein. Mais je sais pas, c'est pas les infos que j'avais eues, mais bon, bah, effectivement, donc non, bah, c'est dommage si elles ne le sont pas. Parce qu'après, effectivement, préserver les voitures, ça pouvait être un peu compliqué. De toute façon, elles étaient en Renov 3, bon, il n'y avait beaucoup d'intérêt, à part de les refaire. Mais les motrices, là, comme elles avaient été remises aux couleurs d'origine, ça aurait pu être intéressant de les garder. C'est vrai, mais bon. Donc, du coup, j'ai pas donné nos arrêts. On s'arrêtera donc à Mouchard, à Fran et à Valor. Alors, la difficulté avec ce TGV PSE, enfin, je sais pas tellement sur le PSE, enfin, vu que c'est un TGV 2 DTG, la ligne elle est en signalisation Terre-Lore, pardon. Et du coup, il faut absolument, même si le KVB est coupé, il faut absolument acquitter les avertissements, les TIV losanges, ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune alerte. Donc, faut être super vigilant. Normalement, ça devrait bien se passer si je me concentre un minimum. Mais voilà, c'est un peu la difficulté avec ce train-là. C'est que faut être très très attentif aux signaux et bien se rappeler de les acquitter. Sinon c'est FU. Et ouais, la fameuse FU. Je parle bien de la 01, ce que tu disais, Simtrain, c'est ce qui était prévu initialement. En fait, une des motrices a été dégradée pendant le confinement lorsque la RAF devenait appareil conflant. D'accord, ok. Donc l'information était bonne, mais la situation a évolué, on va dire. Ok. Ouais, c'est triste. Ouais. Ouais, triste. Oui, je crois que j'avais vu la vidéo de la chaîne Aiguillage qui en parlait. Alors c'était très intéressant d'ailleurs. Alors, je voulais parler un peu de la ligne, mais j'ai complètement oublié l'année de mise en service. Je sais que l'année complète, enfin, la mise en service intégrale, la mise en service du dernier tronçon vers Valorbe, c'est 1915. Donc, la ligne a fêté son centenaire il y a pas très longtemps, il y a 5 ans. Mais je sais plus du tout le début des travaux, je me rappelle plus. Bonne question. Je l'avais vu, je l'ai fait exprès, mais j'ai pas retenu et je suis pas allé revoir. Il y a eu beaucoup de
des trains de nuit, des Trans-Europe Express qui ont circulé sur cette ligne, des TGV aujourd'hui, du fret, du TER. Je crois que les TER, je crois qu'ils vont plus. Est-ce qu'ils vont encore jusqu'à Frannes? Je sais plus. Il y a d'ailleurs des navettes pour la Suisse depuis Frannes, mais entre. Frannes-Ballard, je crois qu'il y en a. Ouais, mais entre, par exemple, entre Dole et Mouchard, je crois que les TER, ils s'arrêtent à Dole, mais et qu'après ils y vont pas. Mais bon, je connais pas suffisamment la région pour. Je vois un Dole Pontarlier, par exemple. Donc. Oui, jusqu'à Pontarlier, oui. Ouais. Mais tu veux dire du côté de. Donc ça veut dire qu'ils passent, ils vont jusqu'à Frannes alors. Ah oui, ça passe par Frannes. Oui. Alors ouais, non, mais j'ai rien dit. C'est même encore, ça, encore plus loin que. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait des autocars qui avaient été mis, mais c'est peut-être à un autre endroit. Oh bah je sais pas. Quand je regarde un petit peu, ce qu'il y a, bon, je regarde quand même vite fait comme ça. Hein. La ligne est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup et. Frannes-Neuchâtel, ouais. Ouais, c'est après, ouais, t'as des liaisons vers la Suisse, oui, ça, effectivement. C'est ça. Après, il n'y a pas forcément de train pour valeur. Enfin, en tout cas, je vois là directement là, sur l'instant, hein, je sais pas. Après, globalement, je n'en sais rien. Mais sinon, oui, il y a du. Bah, ça, t'as fait du TER de la Pontarlier. Hein. Ouais, il y a ces navettes-là aussi, c'est vrai. Alors, on a plusieurs, évidemment, on est en 25 000 volts, donc on a des sectionnements. Alors, je sais à peu près où ils se trouvent et je vais essayer de pas les louper, mais bon, je peux pas ouvrir le disjoncteur, évidemment, donc je couperai la traction pour simuler ça. Mais après, il n'est pas impossible que je les oublie aussi. Ça peut m'arriver. On m'en voulait pas trop, mais bon, en même temps, autant gérer correctement les sectionnements avec une locomotive où on peut ouvrir le disjoncteur, c'est bien. Mais bon, quand on peut pas, l'intérêt est moindre. Donc bon, il y aura peut-être un ou deux sectionnements qui passeront un peu à la trappe. Terrible sectionnement. Hein. Mais il y a vraiment du bon boulot sur cette map. Et comme on en parlait en privé là, avant le début du live, alors bon, c'est pas pour tout de suite, il va falloir patienter. Mais lorsque la CC21000 de traîneau sera disponible, cette map ça sera juste la ligne parfaite, hein, parce qu'elle sera bien. Ouais, ça sera, il nous manquerait plus que des voitures Trans-Europe Express Inox là. Attends, faut que j'acquitte ça. Hop. 95 AGC qui font les TER, c'est pas possible. Ouais. Alors réduction 130. De Pontarlier. Bon, là, le sectionnement d'arcaissonnant. Attends, on va mettre un petit coup de frein. Je pouvais tout faire au statique, mais on va pas y arriver. Voilà. Nous arrivons en gare d'arcaissonnant avec son sectionnement. Un peu traction à zéro. Oh, c'est compliqué de la remettre à zéro sur cette rame. Je suis obligé de tractionner. Et voici donc la gare d'Arcaissonnant, là, juste à la sortie de la tourme. Voilà. Et on va pouvoir reprendre à 150 km/h au dégagement de la pancarte R. D'ailleurs, il va falloir que je fasse attention parce qu'on n'est plus très loin de Mouchard, donc c'est pareil, il faut que je fasse attention à la signalisation. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? On doit y être à. Ouais, on devrait être à peu près à l'heure. Ouais, on devrait aller. Bon, on va remettre un peu de traction quand même. Et quelle distance on est? Ouais, effectivement, une petite quinzaine de kilomètres à peine. La vie, je l'ai bien remis à 150. Oui, c'est bon. Est-ce que. Oui, on est bon. Ah, faut que je fasse juste attention parce qu'en parlant ça pourrait m'arriver. Heureusement que j'ai bien regardé et que j'ai bien vu le signal. Je sais qu'il y a le TIV Los Angeles 100 km/h un petit peu avant Mouchard.
Ce TGV, tu nous rends à conduire. Ouais, ouais, la conduite, elle est compliquée. Elle est un peu plus compliquée que le duplex. Sur le duplex, il y a le même problème hein, de la conduite à cran, mais malgré tout, le manipulateur est beaucoup plus fluide. Et celui-là, effectivement, en conduite, il n'est pas top top. Par contre, là où il est bien, c'est qu'au niveau accélération, il est peut-être même un peu trop violent, mais au moins, c'est pas comme le duplex qui se traîne où on est obligé de mettre un patch correcteur. D'ailleurs, il y a aussi un patch pour le réseau, j'aurais peut-être pu le mettre. Mais autant vous dire qu'on ne dépassera pas les 50% de la traction, parce que sinon, c'est plus très réaliste. Il peut vraiment, il a des accélérations qui sont vraiment costauds. Sur les PSE, bon, c'est une conversion qui est extraordinaire. Qu'est-ce que tu dis sur les PSE qui étaient extraordinaires? Je te dis l'inverse, l'accélération n'était pas extraordinaire. Bah oui, oui, du coup, oui. Non, c'est une montagneuse, donc là je pense à la Maurienne ou encore là. Après, encore, c'est monopodé, donc ça va encore. Mais bon, bah, les PSE, la Maurienne, il ne les voulait plus. Ah bah, il n'y en a plus, de toute façon. En 1500 volts, ça n'allait pas. Ah ouais, ils étaient optimisés pour le. Ah oui, c'était vraiment ça, ouais. Ils étaient en TGV réseau, ça passe aujourd'hui, mais plus en PSE. Ouais, mais réseau Atlantique, c'est bon. Mais ils étaient optimisés pour le 25 000 volts. Allez, nous arrivons en gare de Mouchard. On va se mettre sur hold. Alors pareil, le frein. Je vais mettre le HUD pour gérer le frein, parce que c'est ingérable. Sinon. Le frein du 19e siècle. C'est dommage qu'ils aient foiré le frein à ce point-là, parce que sur des locomotives, par exemple, comme la classe 92, alors c'est pas DTG qui l'a faite, c'est RSC. Bah, ils avaient fait le frein correct, le PBL, quoi. Ah bon. Après, c'est pas le même développeur qui a fait les TGV. TTG, quoi. Voilà. Bah, après, la 3D et la texture, elles sont quand même cool. Alors, la vue cabine, enfin, la façon dont est décorée la cabine, je trouve que c'est un peu brouillon sur le TGV réseau. Autant sur le duplex, c'était pas trop mal. Mais sur le réseau, le cercle, là, il fait un peu grossier. Il manque quelques éléments, comme le levier de traction, là, commande manuelle, VI, tout ça, il y est pas. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont. C'est moins soigné que sur le duplex. C'est un peu dommage, ils auraient pu un peu mieux travailler la cabine. Après, ouais, 3D texture, ça va. DTG, cousin. Ouais, voilà, c'est ça. 3D texture, ça va. Après, le reste, pas trop. Mais bon, bah. Moi, je l'avais pris parce que ça faisait quand même un TGV en plus. Et en IA, il est pas mal. Après, je vous avoue que ça fait cher l'IA, en effet. Allez, on va tirer jusqu'au bout. Tire les pimpons. Et on va effectuer notre premier arrêt. Ouais, là, je vais pouvoir m'arrêter. Tu t'arrêtes à Mouchard. Mouchard, oui. J'ai pas bêté aujourd'hui, j'ai vers là, c'est derrière, par exemple, c'est très rare que ça arrête à Mouchard. Ça arrive de temps en temps, je crois, mais c'est rare. Si tu dis pas de bêtises. Peut-être qu'à l'époque, c'était constant, genre d'arrêt. Il va un poil en avance. Voilà. Je disais rien parce qu'il y avait l'annonce. C'est pour ça. Oui, les Lyria Mouchard, peut-être qu'ils desservent. Ah oui, je comprends, j'ai pas. Eliria, peut-être qu'il s'y arrête plus, mais bon, là, c'est un service des années 90, hein. Forcément, il y a ça, des... Oui, c'est ça. Ça a un peu évolué. Je disais aujourd'hui, je sais qu'il y en a encore quelques-uns, je sais que j'avais vu, mais je sais pas sur tous les trajets, je crois que c'est sur... Et même Fran, c'est pas un ou deux trains, je crois, voilà, en plus. Ouais,
Et même Fran, c'est pas sûr qu'il s'y arrête tout le temps. Hein. Ah, Fran, si, Fran, c'est tout le temps. Oups, c'est un arrêt, on va dire obligatoire, on va dire entre guillemets. Ah ouais. Mais c'est un arrêt, c'est par contre qui est constant. Ça, non. Hein. D'accord. Aucun TGV ne. Il déroge. Ouais, c'est très exactement. Comme ça, je regarde vite fait. Alors, j'ai mis 2 minutes hein, sur les arrêts. Je vais te faire un truc un peu RP. Ça va être un peu le temps de profiter aussi. Tu me dis hein, si jamais il y a des questions ou des infos. Non, c'est Ferrovia qui disait après, c'était TG qui a forcé les modulateurs du réseau à le bâcler. Et après, TG, je dis gueule, pas du tout. Je l'ai pas entendu, merde. Parce que j'ai un écho si je le fais. Donc. Oui. Dès que j'écoute la prochaine fois. Sur la rediff. Ah, la rediff, bien sûr. Le système de gestion des annonces est pas mal. Dédé qui remarque la pelleteuse qui fait un boulot remarquable. Oui, oui, oui. Et qui marque les esprits, pareil. Allez, on repart. Prochain arrêt, donc à Fran. Normalement, là, il m'a tout validé. On peut repartir à 100 puis 110. Ah, c'est quand même un peu plus sympa les sons là sur le démarrage. Même si c'est des sons en version un peu bêta, c'est mieux que rien. De toute façon, ça pouvait pas être. Ouais, bah, oui. Sur le duplex, il y a un truc pas trop mal, mais il n'y a pas de sifflet. Bon, là, le sifflet, c'est celui d'origine. Parce que je crois que c'est des sons qui se rajoutent, ça écrase pas les sons de DG. Bonsoir Air France, bienvenue. Salut Air France. T'as pris le titre de Twitch ? Alors, ça, par contre, je suis désolé, mais. Ah bah, désolé, mais. Ouais, bah. Je suis pour rien malheureusement. Tom l'a eu tout à l'heure la notif. Ah moi je l'ai eu. Est-ce que tu as fait le gabarit important effectivement question de la part de Efran? À partir du moment où tu mets les phares de toute manière. Je vais commencer il y a une demi-heure sinon. Le live va commencer une demi-heure toi. Non, le live est quand justement c'est 40 minutes le live et après je suis allé 10 minutes le temps qu'on lance. Voilà. On va dire ça m'a l'air que. Air France demande de faire une petite vue extérieure. Parce qu'il est un peu loupé malheureusement. C'est pas un peu triste. Ah, Mouchard avait fait une belle vue, un peu triste. Je t'ai pas montré les feux rouges Air France. Alors, ça va aussi long que les feux roulent comme ça, ça fera double. Alors, faut qu'on fasse attention parce qu'on va avoir la petite réduction de vitesse à 90 pour les TGV. Donc, nous, ça sera les panneaux. Tableau indicateur de vitesse du type C en forme de casque qui s'adresseront à nous puisque ça s'adresse aux automoteurs. On a des vitesses en courbe un petit peu plus importantes que les autres trains. Donc ouais, je me suis dit, petit scénario hivernal, façon la vie du rail, on va se faire ça, c'est cool. En dédicace, bien sûr. C'est ça. Alors, faut que je fasse gaffe, non, apparemment l'heure est bonne pour, l'heure estimée pour... est pas trop mauvaise parce qu'il y a un croisement là-bas. Enfin, j'aimerais bien que mon effet fonctionne. Pas que j'arrive trop tôt ni trop tard. Au pire, je réduirai un peu l'allure si je vois qu'on arrive trop tôt. On est toujours à 110 là. C'est après qu'on a la zone à 120. On a quelques zones à 140 et 160 entre. Entre Mouchard et Fran. Il y en a même une petite entre Fran et Dole. Et après, on termine à 140. Des vitesses relativement élevées hein, pour de la voie unique en montagne. Ouais, c'est vrai que c'est une limite.
Bah ils ont... Moins élevé, je trouve, que vos vitesses. C'est assez surprenant. Juste assez surprenant d'avoir des vitesses élevées sur le jour de nuit, quoi. Bah apparemment ça a été voulu à une époque, alors c'est pas dit que ça ait été toujours le cas, mais à une époque ils ont repris certaines courbes, enfin il y a eu des travaux de fait pour... Bah je crois que c'est quand ils ont commencé à amener les TGV ou... Ouais, je sais pas, bah non parce que normalement remarque qu'avant aussi ça roulait relativement vite. Et je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, apparemment il y a eu des travaux pour améliorer encore, certaines courbes auraient été reprises d'après... ce que j'ai vu. Attends, j'ai zappé le. Non, il n'y a pas encore. Ah si, c'est là, passe. Voilà. Passer à 90. C'est allé au dégagement du dernier véhicule, donc ça passe juste. Mais tu vois, en parlant, j'ai pas vu le TIV. Bon, c'est pas grave. Non, par contre, c'est 90, pas 80. Voilà. Voilà, 90, impeccable. Ah, passer la caméra un peu tardivement. Mince, voilà. Je sais plus le nom du viaduc par contre. Je connais pas les noms. Pas sur moi. Je sais plus, pas le temps de me renseigner, mais je l'aime bien. C'est un coin. Y a, de toute façon, c'est une ligne à screen. Ah, c'est sûr, oui. J'avais cru entendre dans la capteur de la vidéo rail qu'il y avait eu des glissements de terrain dans le secteur. Oui, oui, bah c'est entre autres pour ça que tu roules le 90. Et encore dans la vidéo rail, il y avait même pas le 90 pour les automoteurs, c'était 80 pour tout le monde. On l'a pas vu le panneau, enfin on l'a vu, mais moi je l'ai pas vu, j'ai vu le Z, j'ai fait mince, c'est là. Mais oui, apparemment, effectivement, c'était entre autres pour cette raison, et je pense que c'est aussi pour le rayon des courbes. Après, je me souviens d'une fameuse courbe sur cette ligne qui est. C'est celle-là, hein. C'est pas. Qui est bien surveillée, ouais. C'est ce passage-là, en fait. Ah, c'est celle-là, ouais. Mais c'est pas que pour la courbe, parce que dans la vidéo de la vie du rail, ils ont coupé les tunnels et tout, enfin ils ont pas pu tout prendre. Oui, oui. Et en fait, c'est l'enchaînement des courbes qui est à 90, parce que ben, c'est des courbes serrées. Quoi. Et là, tu vois, là, a priori, on est encore à 90, mais voilà, ouais, après, quand tu vois les courbes, quand tu vois le rayon de la courbe, là par exemple ici, bon, voilà. Et on avait un évitement. Évitement de... Eh ben je sais plus. Il y en a pas mal, hein, des évitements sur cette ligne. Il y en a régulièrement. On a passé celui d'Arc-et-Senan tout à l'heure, celui de Mouchard. Il y en a déjà à proximité des grandes gares. Et puis il y en a quelques-uns en pleine ligne. Est-ce qu'on a des messages ou des infos, quelque chose sur le chat? Non, rien de personnel. Ça parle. Mais... Ça parle entre eux. Question par-ci, oui. Il n'y a pas de question spéciale. J'ai l'œil, t'inquiète pas, j'ai l'œil. Ça marche. Bon, en tout cas, on refera cette map dans d'autres conditions. Je pense la 22200, il y a moyen de faire un truc. Bonne 6000 aussi, mais... 22-200 sera un peu mieux adapté avec la signalisation Terralor, là pour le KVB ça marchera mieux. Young ça fonctionne à peu près avec la 26000, mais ça devrait être un peu mieux avec la 22-200. Peut-être un train de nuit Paris-Lausanne ou un truc comme ça. Ouais, permettrait de faire un truc le matin. Ah oui, d'ailleurs il y a un truc comme ça, j'en ai pas parlé quand on était à Dole, mais au début je pensais pas avoir les quais. Parce qu'en fait je lançais le scénario, un des scénarios qui est fourni avec la ligne, et il y en a un, il est le soir vers 19h ou 20h, je sais plus, donc avec le soleil un petit peu rasant,
Et en fait, les reflets sur les quais, ça leur donnait une texture un petit peu par défaut. Je pensais qu'il me manquait un truc. En fait, non, c'est l'éclairage qui faisait ça. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes quais que sur la version Dol Mouchard là, qu'on a eu il y a quelques mois. Armand les a repris et j'en avais un peu parlé avec lui. Il me disait, tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas le même aspect que dans la première version. Il me disait, bah oui, je préfère ces textures-là, je trouvais que c'est un peu plus réaliste. Et effectivement, c'est un peu plus joli. Alors, on a la pancarte R, normalement, on l'a dégagée, on devrait pouvoir reprendre à... non, on ne l'a pas encore dégagée. On va pouvoir reprendre, voilà, là, c'est vrai qu'on mesure en UM, hein, donc... On peut reprendre à 120. Alors, faut que je me méfie un peu parce que je sais qu'il y a du 110 dans pas très longtemps. Hop, 120. Au niveau de l'horaire, on n'est pas trop mal, mais il faut pas trop qu'on traîne. En hiver, le look est sympa aussi hein, de la map. Bon, il y a un endroit où il n'y a pas de neige sur les rails, où c'est des rails spéciaux. des rails qui ne marchent pas en hiver, ouais, c'est bizarre. Mais bon. Non, globalement, le rendu est très bon. Bon, c'est plus joli évidemment en rendu été, hein, parce que c'est plus verdoyant et tout. Mais même là, je trouve que le. Oh, ça fait bien un charme. Hein. En hiver, c'est sympa, et puis ça change un peu. On est tout le temps en été, souvent sur mes scénarios. Donc, je me suis dit, tiens, on va changer un petit peu. Voilà, donc il va falloir être attentif parce que je sais qu'on a une réduction à 110 puis à 100 un peu plus loin. Bah, en fait, c'est à l'approche de Fran, si je dis pas de bêtises. Fran, on n'y est pas encore. Ouais, on est dans 27 km à peu près, apparemment. Et dans à peu près 15 minutes, si tout va bien. Je vous fais une petite vue extérieure. C'est un peu dangereux sur cette map là parce que faut faire attention. Non, c'est bon, à cet endroit là normalement il n'y a pas de signaux à quitter ou ce genre de truc. Alors est-ce que 110 c'est par là? Je sais plus. Donc je crois que c'est plus loin. Ah oui, non, c'est plus loin. Je crois que il me semble de mémoire on va peut-être avoir du 140 par ici. Où je confonds. Je connais la ligne, mais il y a 2-3 endroits où j'ai des doutes encore sur les limites de vitesse. Bon, bah. On va être attentif à ça. Ah, on va peut-être approcher d'Andelou. La petite gare d'Andelou. Ouais, avec son sectionnement. Ah oui, c'est 110 là. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un endroit à 110, mais en parlant, j'ai pas vu l'idée. Voilà. Alors par contre, il y a aussi du sang normalement dans pas longtemps. Tu saignes? Cette blague m'a validé. Non. Non, là, non, faut pas déconner. Oh mince. Adrien, il a fait. Non, non, il y a des limites quand même. Ah, dommage que Charlie est pas là, tiens. Ah, bah, ouais, heureusement. C'est sarcastique, bien sûr. C'est vrai que j'avais complètement oublié le 110. Enfin, le 110, je savais qu'il était quelque part, mais. Et puis là. Attends, je t'excelle. Je me demande même s'il n'y a pas du sang là, hop, voilà, le sang il est là, mais... T'as le sang qui, ouais, t'as le sang juste devant toi. Voilà. 105, bon, ça va être un peu juste parce que je pense que là, que l'extrémité de la rame a dû passer là. Ouais, 102, ouais, c'est... disons que ces transitions de vitesse sont un peu sur le fil du rasoir là, mais c'est bon. Ouais, c'est ça, c'était bien 100. Attends, j'ai un doute maintenant.
Ah oui, c'est 100 sur... Et puis après, c'est 120, oui, c'est ça. C'est 100 pendant un court moment. Et là, logiquement, voilà, j'ai du 120. Voilà, c'est juste pour la courbe, en fait. Là, ça. Ah, comment te serrer. Donc, ouais, c'est ça. Bon, bon, à cet endroit-là, je sais pas pourquoi il n'y a pas de neige sur le... Voilà, ils ont déneigé. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils sont trop forts, ils déneigent. C'est les rails de Constance Willingen qui se prêtent pas à la neige, ouais, je sais pas. Je... Alors, est-ce qu'on resterait pas à 110 vu l'horaire ? Parce qu'il faut pas que j'arrive trop en avance. On reste un peu à 110, puis si je vois qu'on commence à être un peu juste, on reprendra les vitesses. Et déjà un peu too much. Et voici la gare d'Anglo. Alors normalement, j'ai un sectionnement dans les parages. On va se couper la traction. Et je me demande même s'il n'est pas juste avant. Je pense avec un chalumeau géant pour avoir ce résultat. Ah mon dieu, j'ai l'envie. Ça doit être à peu près ça, ouais, effectivement. En effet, oui, oui. Et chalumeau qui fait quand même pas fondre les rails, hein, donc il est fort. Ouais, c'est un truc un peu spécial, ouais, effectivement. C'est costaud. Hein. C'est costaud. Alors, soit c'est des rails qui sont certifiés Rhino Shield, soit je sais pas, mais c'est pas mal. C'est ça, c'est des Rhino Rails, tu sais. C'est ça. On va garder le 110 pour l'instant. Ouais, sauf que les arbres ont la même couleur. Sauf que les arbres ont gardé la même couleur. Effectivement. Bon, il n'y a qu'à cet endroit où il y a vraiment un bug de, on va dire, de concordance, de cohérence plutôt avec la saison, sinon tout le reste c'est bon. Poursuit donc, attends, c'est 100 quoi là ici, 140, je sais plus, ou alors c'est à nouveau 100, j'ai un doute, j'ai vu le panneau mais le temps que je le voie, c'est le problème en stream, non je crois que c'est 100, hein. ouais c'est ça, c'est 100 pour l'enchaînement ici, normalement, donc là au moins on l'a fait correctement, on doit avoir la pancarte Z juste ici, voilà. Et effectivement, oui, vu la courbe, il n'y a pas trop de doute. En fait, les points de ralentissement, je les connais à peu près, mais c'est vrai qu'en étant en stream et en parlant, ben, c'est beaucoup. Ouais, c'est la plus galère quand même aussi, ouais. Enfin, bon, tant qu'on passe pas à 160 sur une aiguille au lieu de 60, c'est bon, hein. Normalement, on devrait pas avoir ce problème là. 110 au dégagement de la pancarte Z surmontée du TIV 110. Donc, on va pouvoir reprendre. Je sais pas pourquoi là. Ah oui, parce que c'était 120. C'est vrai que oui, je m'étais mis à 110, mais c'était 120 effectivement. Non, j'ai rien dit. On peut reprendre à 110 donc. L'heure normalement ça devrait aller, on est plus très très loin de Fran. Combien de kilomètres tu me dis? Ouais, une quinzaine à peu près. Fran où normalement on devrait être reçu sur un carré fermé, donc il va falloir que je fasse attention au niveau de l'acquittement, ce genre de choses. On va essayer de pas prendre de... Je garantis rien, parce qu'on stream. Alors, je l'ai fait cet après-midi, il n'y a pas eu de problème. Mais j'étais pas en stream cet après-midi. Ah, c'est tout le problème. Ou bien, en fait, on est en train de vous mentir et c'est une vidéo qui est en train de diffuser là, en fait. C'est ça. On n'est pas en stream. Non, voilà, ça aurait pas beaucoup d'intérêt. Oui, évidemment, c'est pas blague juste. Il reste à 110 et on va pouvoir passer... à 140 ou 160, je sais plus, je crois que c'est 160 sinon. Non, c'est toujours 110.
Je sais pas si encore du 160, mais bon. Attends, c'est encore 100 ici. Attends, j'ai un doute. Touk. Ah non, c'est bon. Je ralentis quand il faut pas. Ah si, si, ah mince, là c'était bien 100. Bah c'est bon là, je suis à 100. Ouais, c'était un peu... Bon, heureusement qu'on était qu'à 110, c'est pas... Bah, heureusement que c'est des réductions de 10 km/h, parce que sinon... Sinon ça l'aurait pas fait. Ouais, il était un peu brouillon celui-là, autant... Les autres ça allait à peu près, parce que... Même si on n'est pas pile poil à la vitesse limite quand t'as la pancarte 2Z, c'est pas trop grave, la rame elle fait 400 mètres, donc ça te laisse encore un peu le temps de ralentir, mais celui-là est un peu limite. Mais bon, c'est des zones où en fait il y a juste une courbe, et après on peut reprendre à 120, voilà. C'est un peu la difficulté sur cette ligne, c'est faut vraiment faire attention, des fois t'as une limite de vitesse... sur, je sais pas, sur peut-être moins d'un kilomètre, juste pour la courbe. Est-ce que je reprends à 120? Ouais, je vais reprendre, on va reprendre aux vitesses de la ligne, aux vitesses limites de la ligne, parce que sinon ça va me mettre en retard. Mais ouais, je sais qu'il y a 2-3 zones à 160. Et une à 140 juste avant Fran. Et après Fran, t'as un petit bout à 160, mais faut se méfier parce qu'elle est pas très longue. Attends, est-ce que j'ai... On peut peut-être même être... Ah ouais, bah tu vois, là on y est là. Là en théorie, on peut aller à 160. Hop, c'est parti. Allez, hop, on monte. Il va falloir faire gaffe parce qu'il va y avoir une réduction à 140. Je crois que non, on l'aura pas le 160 parce que je crois qu'à moins que je me plante, mais je me demande s'il n'y a pas déjà le 140 par là. On va se mettre à 140 pour commencer et puis on verra après. Ah, c'est ça. Alors, sectionnement. On coupe la traction. Ah, c'est ça, c'est 140 ici. Le 160, je l'ai pris en compte trop tard en fait. Ah ouais, c'est trop tard. Coupé courant. Dommage. Et fin de parcours. Et lorsque la rame aura dégagé cette pancarte, on pourra en théorie refermer le disjoncteur et reprendre la traction. En théorie, parce que il n'y en a pas. Surtout là, il n'y en a pas, voilà. Et, curiosité, il n'y a pas de pancarte rêve, a priori, sur cette ligne. Ah non, il devrait y en avoir, hein, mais... Bon, en général, il y en a. Ah, mais... Même dans la vidéo de la vie du rail, ils n'en parlent pas du tout sur cette section-là. Ils disent, lorsqu'il y a de la rame, dégage la pancarte. Bon, il doit y avoir une, à mon avis. Hein. Bon, après, quand tu connais un gars contre un, mais c'est vrai que, normalement, oui, il devrait... Après, tu as des petites particularités hein, sur certaines lignes. Donc, on reprend à 140. On va commencer à se méfier parce que on approche gentiment de Fran. Donc, je vais commencer à faire gaffe parce que je sais qu'il y a un TIV Losange 100 km/h un petit peu avant la gare. Ouais, on va se méfier. On a à peu près 5 km. Je regarde un peu le HUD de temps en temps pour vérifier les distances. Et je pense que je vais commencer à ralentir un petit peu. On se met à 120, un truc comme ça. Alors, il est où ce TIV Losange déjà? Je crois qu'il est à
faire une courbe un peu plus loin. Pas de bêtises, on est dans la forêt de la joue. Si j'ai bien révisé. Oui. Si t'as bien révisé. C'est l'heure du contrôle. C'est ça. Ah, ça m'a donné l'occasion. Ah, le voilà, le sang. Enfin. Sans losange, mais. Ouais, mais pour nous, on... Enfin, nous, on a du 120, je crois. Mais bon, de toute façon, comme on dessert la gare, on va même se mettre à 80. Je pense qu'il est dommage qu'il neige pas. Yes. Qu'est-ce qu'il voulait, français Thomas? Il voulait qu'il neige. Ah oui, non, j'ai mis de la neige, mais j'ai mis un, peu nuageux, mais j'ai pas mis de la neige qui tombe, effectivement. Normal, on refait le cabaret de la vie du roi, dans leur cabaret, il neige pas. Voilà. Ah, il y a des lui. Il y en a qui suivent, c'est bien. Il y en a qui suivent, c'est bien. 20 sur 20, avec les félicitations du conseil de classe. Ah, on n'a pas d'avertissement comme ici. Ah, ça veut dire que le... Ah, ça veut dire qu'elle est pas arrivée. Hein. Je arrive en avance. Pas dans le 15, ouais. Oh là, ça va se mettre là, enfin l'inverse. Donc ah, je sais pas. D'habitude, ben ouais, c'est peut-être que. Bizarre. Mon horaire avec le train IA est peut-être pas bien calé. Hein. Et voici la gare de Fran. Attends, peut-être pas freiner trop fort non plus. Ouais. On l'a envoyé un peu trop. On va mettre un peu de traction. Voilà. Et là, on va couper. Bon, le cas est un peu plus loin, je vais freiner un poil tôt, mais. Ouais, allez, si on va remettre un tout petit peu de traction. Ouais, je suis arrivé un peu plus tôt que le train que je suis censé croiser, du coup il n'y a pas eu d'avertissement, mais on va faire comme si, parce que de toute façon, on s'arrête. Bon, comme c'est pas du coup les bons TGV, vu que c'est un TGV réseau, hein, Indy, bah on fait pas le cabaret de la vie du rail. Pas tout à fait, c'est une évocation, effectivement. Évocation, c'est une inspiration, c'est comment dire. Non, il faut un terme. Une éloge. Elle a déjà manœuvré, d'accord, éloge. C'est pour ça qu'on est sur voie libre. Donc à droite, vous avez quand même ex-Cisalpin, RAET2, en livrée Eurocity qui fait les navettes Fran, enfin qui faisait à cette époque-là les navettes Fran Valorbe. En fait, oui, je sais pourquoi on a été reçu sur voie libre. Oups. Non. Ah. Mince. Mon avion s'est arrêté un poil trop tôt, mais ouais, non, je vais remettre un tout petit peu de traction si je peux. Voilà, il m'a pas compté, le... c'est bon. Donc oui, normalement, la rame qu'on a vue là, qui était sur notre droite, normalement, on doit la croiser, mais en fait, on est arrivé un tout petit peu plus tard. Pas de beaucoup, mais en fait, elle s'est déjà mise à cas, donc là, tant pis. Dommage. Voilà. Bon, j'ai freiné un peu trop fort, c'est le piège, hein, avec ces rames là. Je trouve que les rames réseau, je trouve dommage pardon que les rames réseau aient tellement disparu des relations Paris Nord de la France à l'ouverture de la LGVS. Ouais, bah c'est toutes les rames réseau sont sur l'intérieur, soit sur le bah sur l'est. Ah, elles ont été, c'est ça, elles ont été mises sur l'ouverture de la LGVS. Salut Vincent. Salut Vincent, et nous sommes donc à Fran. Je suis peut-être un peu limite à mon avis. Ouais, on va pas aller voir la... l'extrémité de la rame. Ah, quoique. Ah, donc, la RAET2 qu'on aurait dû croiser, mais finalement, je pensais arriver au bon timing et je suis arrivé un peu après. Pas le départ est donné. Alors on a un TIV, alors au début je pensais que c'était une erreur, mais en fait sur le live de France Simu, Armand disait que c'était normal. En fait si on regarde bien, on a un TIV qui a l'air d'être posé à l'envers. Et en fait c'est juste... à l'envers.
Ouais, mais en fait, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, je suis là. Et donc en fait, on se dit, bah tiens, bah, c'est un TIV du type C, 100 km/h qui est posé à l'envers. Et en fait, en regardant la vidéo de la vie du rail, à cet endroit-là, c'est un. Alors à gauche, on a les voies vers Pontarlier. À cet endroit-là, en fait, c'est un TIV du type B, donc en forme de bol, 100 km/h. Et si ça se trouve, on l'a pas dans le Terre-Lore. Donc du coup, il a mis ce signal dans ce sens-là. Enfin, je pense que c'est ça. Ah, c'est bon, ça passe un. Ah oui, ça passe le vol. Ça va être le TIV type B, ouais. On l'a pas. Ah oui, merde. On l'aurait pas dans la signalisation Terre-Lore. Enfin, je sais pas. Parce que je lui avais envoyé un screen, puis il m'avait pas répondu. Et puis dans le chat de France Imi, il a dit non, non, c'est normal. Donc en fait, apparemment, je pense que c'est ça l'explication. Allez, on peut reprendre à 140, oui, c'est bien ça. Et oui, c'est vrai que oui, les rames réseau, puisque c'est un reskin de réseau qu'on utilise, oui, c'est vrai que leur mise en service, elles étaient sur le nord. Et après, ouais, en 2007, elles sont allées sur l'est, certaines vers le Luxembourg, certaines Ah, pour tout la est dans l'est. Belgique. Certaines pour la Belgique sur Et après, Bruxelles. oui, les Thalys, oui, effectivement. Ah, t'as les Thalys et puis t'as le TGV Bruxelles-Marseille aussi, genre des Ah, trucs c'est comme ça. intersecteur, c'est ce que je disais. C'est ça, ouais. Et t'as les quelques unités pour l'Italie aussi. Ah, oui, genre, il y a les quelques rames qui font les Paris-Milan, c'est vrai. C'est ça. Mais elles sont infiniment. D'ailleurs, Bah, aujourd'hui, je crois que ce sera les seules rames à. c'est On 5 se dire ça, grammes. mais clairement à un étage à la gare de Lyon, quoi. Oui, C'est. pour moi, oui, très, très probablement, ouais. Ah, bah, je suis sûr, hein. Oui, parce que Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de PSE, il n'y a plus rien. Chambéry, Annecy, tout ça, maintenant c'est en duplex, donc enfin ça fait quelques temps, ça fait bien 10 ans que ça doit être en duplex. Oui, ça doit être ça. Ok, bon, tout va bien pour l'instant. Et donc, eh bien, on continue vers Vallorbe. Vallorbe, on doit y être. Ah ouais, du coup, là, bon, il m'a pas compté l'arrêt à Frasne parce qu'on est arrivé en retard, en fait. On est arrivé, je sais plus au bout de combien de temps il valide pas l'arrêt. Je crois que c'est 1 ou 1 minute 30, je sais plus. En fait, j'aurais dû, tout à l'heure, j'ai roulé un peu moins vite, je roulais à combien? À 110 au lieu de 120 ou un truc comme ça. En fait, j'aurais peut-être dû garder la vitesse. Mais bon, j'ai pas eu le temps de retester. En fait, cet après-midi, j'avais mis un horaire plus tardif sur Frasne, mais du coup, on arrivait trop tôt. Du coup, je me suis dit, bah attends, je vais re-régler l'horaire pour le stream. Et en fait, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Enfin, je l'ai mal calibré, quoi. Du coup, Ouais, pas je comprends super grave. pourquoi la SNCF ne veut pas inclure le RTMS dans la rénovation qui va bientôt avoir lieu des rames tricourants pour l'Italie, selon que le RTMS est nécessaire pour la Oui. LGV du Rhin Milan. Ouais, Ben je comprends, donc ouais, je comprends ça. c'est nul parce Ah, que c'est nul, parce que c'est un mine de TGV, rien, rentabilise-le, merde! c'est un TGV que tu peux pas aller sur une voie grande test parce que t'as pas le TCS. Alors bon, ça a un coût certes, mais bon, ça s'amortit. Ça permet de gagner 1 heure quand même sur le trajet, ce qui est quand même pas rien parce que Paris-Milan c'est quand même C'est long. long, hein. Ah, c'est Voilà, long. et C'est surtout 7 heures, je crois. que. Un Comment? truc comme ça. C'est 7 heures, un truc comme ça, je crois, le Ouais, trajet. ça doit être vaguement autour de ça, ouais, je sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. Ouais. Et Excellent. non, mais surtout, c'est que dans quelques années, il y a Italo qui va faire du Paris-Milan ou du Lyon-Milan, et eux, ils vont passer par la LGV. Donc, moi non plus, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont pas inclus. Surtout que normalement, c'est censé équiper tous les nouveaux trains. Donc, quand tu fais une rénovation, ben. Ouais, c'est bizarre. Ah non, c'est. Bon, Alors, pas leur choix. est-ce que ça les obligerait à repasser une qualification pour la rame, que aussi ça, du coup ils veulent pas s'embêter parce que peut-être qu'ils vont remplacer les rames dans pas longtemps et
plutôt que de dépenser de l'argent sur de l'ancien matériel, peut-être ils préfèrent attendre la livraison d'un nouveau matos. Je sais pas. Apparemment, ça travaille avec les RAM tricourants belges qui vont être bannis du réseau avant 2026. Ils ont pas leur TMS. Ah ouais, mais voilà, mais c'est ça, ouais. 2026, peut-être que côté SNCF. C'est génial. Ouais, mais 2026, côté SNCF, peut-être qu'on se dit, ben, ça vaut pas le coup de mettre le RTMS pour 6 ans. Ouais. Ouais, bon, parce que mais du coup, c'est dommage parce que, bah ouais, la LGV entre Turin et Lyon, ben, pardon, entre. Non, ça c'est pour. Ça, c'est autre chose. Bah, c'est censé être 2026, mais ça risque d'être plus tard. Non, la LGV entre Turin et Milan, du coup, effectivement, bah, ouais, elle ferait gagner une heure. C'est sûr, pas rien hein, sur un parcours comme ça. Hein. Après, j'ai une ferroviaire parler de la SNCB pour la Belgique aussi. Ah, d'accord, ok. La bannière, du coup, les réseaux en Belgique. Bon, c'est. C'est con. De quoi la SNCB, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pardon, j'ai pas. Ils peuvent bannir les TGV réseaux s'ils sont aussi pas équipés de leur TMS. Ah oui, et s'ils ne sont pas équipés de leur TMS. Oui, ouais. Mais la LGV en Belgique a l'avantage d'avoir la TVM alors qu'en Italie elle l'a pas. Après, je crois que c'est pas la TVM, c'est la ligne classique qui est juste derrière. Ah, tu veux dire pour la Belgique, le problème n'est pas la LGV, en fait le problème est inverse. Oh. En Italie, ouais, le problème. Après, si chez Ferrovert, tu peux développer là-dessus, c'est des infos. Mais ouais, c'est particulier quoi. Ouais, c'est spécial. Mais ouais, donc en fait, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe en Italie. En Italie, ils n'ont pas l'RTMS, donc ils peuvent pas aller sur la LGV. Et en Belgique, la LGV pose pas de problème parce qu'il y a la TVM, mais par contre, ce serait le réseau classique, d'accord. Ah, c'est vrai que, bon, il va falloir le déployer, hein, l'RTMS. Bon, le 140, là, c'est pareil. Hein, en parlant, la réduction à 140 est un petit peu tardive, on va dire. C'est pas grave. On a moins un FU, mais c'est pas grave. C'est pour les lignes classiques en Belgique, hein, c'est ça. D'accord. Ouais, enfin, c'est pour toutes les lignes, du coup, ouais. Okay. Ah, c'est vrai qu'après, sur la Belgique, je pense que toutes les lignes belges sont équipées probablement maintenant en ERTMS. Ouais. Ça doit être pareil au Luxembourg, ou même aux Pays-Bas, je pense que ça doit être partout. Eh bien, on commence à se rapprocher. Bien se rapprocher de Valorbe, mais on va pas tarder à s'engager dans le tunnel du Mont d'Or. Ah, la ligne est vraiment sympa. C'est sûr. On en refera avec du Transeurope Express, je pense, la 22200. Je pense qu'on n'a pas fini de la faire. Enfin, on va pas faire que ça, évidemment. Oh. Chance pour les TMST, la motrice de réserve est en train de tester soit une nouvelle version de la TBL pêche sur le TCS. Ah, si on pourrait les préserver, celle-là, ça serait vraiment pas mal. Pour les pas, j'en suis pas, mais un petit peu. Ah non, pas pour les ICI. Non, mais les TMST, ouais. Les dernières TMST chez Eurostar. Alors, quand je vois le TMST, bah, je pense du coup, confirme-moi la chaîne Ferrovia. Mais du coup, elle avait le livret jaune, hein, parce que sinon pour moi, c'est les 300, sinon les rénover. Pour moi, c'est ça. Bon, après, je suis vraiment trop la chaîne Ferrovia. Non, mais je pensais aussi, tu sais, t'as eu une TMST que chez Easy également. Donc... Oui, il y en a une, oui, que j'ai eu. D'ailleurs, j'ai pu la spotter l'an dernier. On va être content. Alors, nous sommes dans le tunnel du Mont d'Or, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Donc, de notre côté, on sera en Suisse. La Suisse. C'est ça. Et on va pas tarder, je vais commencer à ralentir parce que c'est 40 derrière. On va commencer par freiner gentiment en statique, mais je pense que je prendrai thématique un peu plus tard.
d'ailleurs, il y a un TIV Losange qui est pas loin de la sortie du tunnel. Je crois que le tunnel mesure 5 km si je ne me plante pas. Alors, plutôt long. Un TMST, ça reste un TMST. Par contre, la Ramizy, c'est mort déjà qu'elle est tombée pas mal de fois en panne récemment. Ah merde. Ah. Et que Rostar a dû prêter une rame à chaque fois que la Ramizy était en panne. Sérieusement? Donc, ils arrêtent. Enfin, la rame ex-Rostar ne serait plus utilisée. Donc. Si j'ai bien compris. Bah, en fait, c'est la Ramizy qui est utilisée en fait. La Ramizy, vu qu'elle tombe en panne. Du coup, ouais, Eurostar prête une rame Oui, d'accord, c'est des vraies rames aux couleurs de... La Ramizy, du coup, elle va être morte, quoi. Ah, merde, c'est chiant. Donc, Easy, il continue à utiliser des rames Eurostar, mais aux couleurs de Eurostar, du coup, alors, si j'ai bien. Ah oui, du coup, c'est ça. Bon, on a peut-être un petit peu de trop. Ah, dès que je vote, alors, pas que la rame, du coup, a été utilisée, mais de toute façon, j'ai moins de la choper, complètement. Je pourrais être content. Et nous arrivons en Suisse. Et qui est Suisse? On va ralentir pour se mettre à 40. Il me garde dans un TMST et transformer en easy que de les ferrailler. Mais complètement. Alors là, tout à fait d'accord. Entièrement d'accord. Allez, un tout petit peu de traction ici. Et on va abaisser le panto dans quelques hectomètres. C'est chaud de gérer la vitesse là, à cet endroit là. Ouais. Si n'a qu'une. Qu'une rame TMST, tu peux dire à Chine que je reviens. Et l'exécution du 40 est ici. Allez, on va dire qu'on n'a pas encore dans le BC Panto, il est plus loin. Normalement, on devrait apercevoir une petite 26 000 au dépôt. On l'a peut-être passé en vrai. Non, la chaîne est plus repère, il y a. Alors, baissez Panto. Ouais, il y avait une 26 000 sur la gauche, je pense. Là. Ah bah, là, ça, c'est bien, par contre, c'est bien fidèle à la vidéo, ouais, je m'en souviens bien. Oui. Elle est vraiment au même endroit. Et. J'ai baissé le Panto. Et quoi, je viens en ferroviaire? Non, pour l'instant, Easy, ils ont une rame TMST et une rame réseau. C'est ce qu'ils ont pour l'instant. Après, est-ce qu'ils vont acquérir d'autres rames pour peut-être extendre leur, leur trajet? Je n'en sais rien, peut-être, mais pas sûr. En tout cas, c'est pas prévu, je crois. Alors, faut que je fasse gaffe, je me suis fait avoir, je suis allé tout au bout du 4 tout à l'heure, mais en fait, la longueur des quais, elle est raccourcie. Par rapport au quai sur le terrain, il faut qu'on s'arrête par là. Voilà, là ça devrait passer. On va voir si je peux ouvrir les portes. Peut-être tirer encore un tout petit peu plus. Voilà, là. Normalement là c'est bon, si tout va bien. Et nous sommes donc en gare. De Valorm. Alors, est-ce que je vais pouvoir ouvrir les portes? Parce que tout à l'heure, j'ai pas réussi. Ah, elle m'a l'air bien fidèle, la gare de Valorm, tiens. Ah oui, bon, je vais mettre en pause, on va aller la voir. Puis après, ce sera la fin de cette vidéo pour la VO de Valorm. Là, voici. Alors, j'ai pas mis vraiment d'IA à Valorm. Je savais pas trop quoi mettre, en vrai. J'aurais pu mettre les voitures qu'on a sur la Gotthardbahn, mais je sais pas si c'était bien adapté ou quoi. Hop. Le bâtiment est vraiment, vraiment sympa. Attends, on va peut-être se mettre du côté rue. C'est ça qui est cool hein, sur cette ligne, c'est qu'il y a beaucoup d'assets personnalisés. YouTube, on va se laisser par là. Merci Tom d'être venu. Avec grand plaisir. Et puis, on aura l'occasion, hein, comme je le disais, de rerouler à nouveau sur cette map. J'ai quelques autres idées de scénarios. Si jamais ce scénario vous intéresse, logiquement, je devrais le publier. À part si ça branche personne. Mais je pense qu'en vrai, je le mettrai sur RW Central. Bon, il y a quelques... Il faut avoir le TGV réseau, il faut avoir deux, trois trucs. Mais bon, après, s'il y a des éléments du trafic IA que vous n'avez pas, ça n'empêchera pas de jouer le scénario. Mais voilà, dites-moi, soit sur Twitch ou également dans les commentaires
sur YouTube, dites-moi si, si éventuellement avoir le scénario, ça vous intéresse ou pas. Et j'espère que vous aurez apprécié cette petite balade en TGV PSE, hein, même si c'est le reskin du réseau, mais on va dire que c'est le TGV PSE. Voilà, ça sera mon petit clin d'œil parce qu'on n'avait rien fait pour lorsque la RAM 01 a été réformée. Donc ça sera le petit clin d'œil de la chaîne à ces RAM-là, du moins à la 01, parce que je crois qu'il y en a encore quelques-unes, peut-être sur Paris-Lille, mais bon, ça ne va pas durer longtemps. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live et cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Salut à tous!